Il se passe absolument rien. Construire une cabane, c'était une blague. Ce n'était pas une idée créative. Mais cette fois-ci, par contre, c'est l'idée du siècle. Je vais exploser cette canette. Okay, salut, bonjour, j'espère que vous êtes prêts, monsieur, mesdames. Bon, du coup, aujourd'hui, comme vous aurez compris, je vais essayer d'exploser cette canette à l'aide de cartes, ok? Bon, comme vous aurez pu comprendre, je vais pas prendre des cartes basiques, parce que les cartes basiques, comment vous dire que ça casser ça, pas possible. Alors, Tristan l'avait fait sur une pomme, le frérot, et il avait bien réussi. Moi, j'ai pas envie d'essayer sur une pomme, j'ai envie d'essayer vraiment sur un truc que moi, je sais même pas si je vais réussir. D'ailleurs, dès maintenant, dites dans le sondage si vous pensez que je vais réussir à détruire cette canette, avec bien sûr, du coup, j'ai pris des cartes, ok? Des cartes vraiment dures. Par exemple, hop, fiche à ma sœur. Sa carte Navigo à l'ancienne. La gueule de merde. Parce que là aujourd'hui, il y aura des dégâts. Ouais, il y aura vraiment des dégâts. Donc c'est pour ça, comme vous savez, quand j'étais petit, je faisais beaucoup de magie. C'était ma passion de ouf. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous impressionner et vraiment faire des trucs de ouf avec les cartes, tu vois. Ça va être juste incroyable. Et maintenant, je dois tout ramasser dans le vent. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ça, parce que j'adore manier les cartes. Et je sais que depuis tout petit, j'adorais manier les cartes, les lancer super fortes. Et je suis presque sûr que je vais réussir à la détruire, cette canette. Donc voilà, Noco, on a pris mon sponsor bien sûr, c'est pas un placement de produit. Tout de suite avant de commencer la vidéo, je tiens à me présenter pour ceux qui me connaissent pas encore. Je m'appelle Anthony, je fais des vidéos sur le divertissement. Donc des fois je fais 1000 saltos arrière pendant 24 heures, mes soeurs me disent oui à tout. Je fabrique des cabanes, je fabrique des bateaux, je fabrique des rampes de skate. Enfin, j'essaye de fabriquer tout ça. Ou des fois rester 24 heures dans ma voiture. Bref, donc c'est pour ça, si tu viens d'arriver, hop, je te laisse t'abonner, rejoins la communauté. Et tu verras, on s'amuse de ouf ici. C'est vrai, demande-leur. C'est vrai les gars ou pas? Donc comment je vais m'y prendre, c'est très simple. Alors normalement avec une carte, je vais vous montrer avec une carte normale de base, ok? En fait vous devez la mettre ici, ok? Entre le majeur et l'index, ok? C'est tout simple, comme ça, ok? Ensuite la carte vous allez la mettre dans votre paume de main. Vous allez un peu plier la main, vous voyez, comme ça, ok? En même temps de plier la main, ça va plier un peu la carte. Et là en fait ce que vous allez devoir faire, c'est mettre le bras comme ça. Et là le lancer le plus loin possible. Il y a un chat qui me regarde, en gros, il a cru que j'allais lui lancer dessus. Et voilà, et vraiment lancer le plus loin possible. Vraiment quand vous devez lancer... Eh oh, taisez-vous là, oh. Donc vous devez lancer le plus loin possible, donc devant vous, vous devez viser l'objet. Et ensuite quand vous lancez, il faut que vraiment votre poignet il soit cassé. Vous devez plus maintenir votre poignet, vraiment vous lâchez. D'ailleurs vous êtes actuellement sur ma cabane que j'avais fabriquée. Si t'as toujours pas vu la vidéo, je te laisse aller la voir ici, dans là, yes. Bref, on va arrêter de parler, on va passer directement à la vidéo. Et franchement j'espère que je vais réussir, parce que je vais m'en donner les moyens. Ok, allez let's go. Détruire une canette. Ah, stylé le petit jingle là, non? Et je vais devoir tout ramasser encore une deuxième fois. Ok, c'est parti. Oh, je suis très excité de faire cette vidéo là. Donc il y a le plan de cette caméra, vous avez le plan ici de la GoPro. Donc j'espère qu'on verra bien. Donc bah écoutez, c'est parti. Je me munis des cartes, donc je vous montre un peu les cartes que j'ai. Navigo, Nike, Sephora. Est-ce qu'on s'en fout? Oui, on passe tout de suite à la vidéo. Ah, je sais pas si ça va marcher, je stresse de ouf. Je sais pas si ça va marcher, oui. Je déteste être dans l'échec, moi. Vous savez, vous me connaissez maintenant. Première carte. Oh. Le plus compliqué, c'est vraiment de viser, ok? Parce que je peux tirer fort comme un bourrin, mais faut que ça vienne quand même toucher là, ok? Oh, on a eu un petit truc là. Il se passe absolument rien sans la canette. Bon, on perd pas espoir, on continue, allez. Ça fait deux cartes quand même. Eh, au bout de la deuxième carte, dis ça, je dis rien, j'en ai touché ça là. Je suis saucé un peu là. Ouah. Oh. Ça lui a rien fait. Ouah. Eh, quand je vous dis que ça a de la force, vous me croyez pas, regardez la force que ça a. Je viens de toucher juste le mur là. Ouah. Oh. Oh! Même pas mal. Vous voyez ça là? Eh, les gars, franchement, pour moi, c'est déjà un premier. La canette fuit, les gars! Eh, la canette, elle fuit, les gars! Oui. Franchement, j'ai réussi à la percer déjà, ok? Énervé! Je suis déjà bien là, au bout de quelques essais, franchement. Regardez juste la puissance du truc. Regardez cette carte, comme elle est endommagée. Celle-là, elle a rien. Regardez juste celle-là, regardez comme elle est endommagée de ouf. Celle-là, elle a rien. Celle-là, elle est flinguée! Je viens de flinguer la carte Navigo de ma soeur. Ok, celle-là elle est morte. Bah, vous comprenez pourquoi j'ai pas voulu prendre ma carte bleue, hein? On part, c'est parti. Nous sommes à la fin du trône, qui va gagner l'iPhone 10, c'est pour tout. Continuez de jouer, ne vous arrêtez pas. Le chrono est bientôt gagné pour le nounours. Pour avoir le nounours. Je vous jure, je vais la tuer cette canette. Toi, t'es morte. Si je mets toute ma force comme ça, elle est morte. Ah! Et non, petite merde. Oh, par contre, ça tue le bras. Allez, perce. Oh, celle-là, elle aurait été dans la canette, les gars. Waouh! Regardez le trou que ça fait dans le bois, là. Regardez la gueule de la carte, wesh. Une carte, je pensais un peu plus à une carte. Deux, trois, quatre, il m'en manque, là. Oh, celle-là, l'autre. Vous avez combien au départ? Sac à merde. S'il vous plaît, abonnez-vous, il me fait pitié. Donc, des cartes.
Le problème c'est que là cette canette là, je pense qu'elle est morte parce que bah du coup il y a pas assez d'air dans la canette. Du coup quand ça va taper dedans, ça va pas faire l'effet que je voulais, tu vois. Donc c'est ça que celle-là je vais l'ouvrir, je vais la boire parce que je kiffe façon ça. On y aura aucun gâchis dans cette vidéo. Oui. En plus l'ananas elle est tellement bonne. Je vais aller en prendre une autre. Bon j'en ai pris une autre, j'ai pris goût tropical. Au moins là c'est bien, il y a l'air, tu vois. J'ai plus de chance quand même, ok. Parce que là vu qu'elle a déjà fait un trou, quand même j'ai déjà fait un trou dedans, c'est déjà juste énorme. Vous vous rendez compte, un trou dans une canette avec des cartes. Et on est reparti, c'est parti pour un tour. Allez, allez. Je compte sur toi Fnac. Est-ce que Fnac tu arriveras? Si c'est que des placements de produits, Fnac, Navigo, Sephora, on verra quel est le meilleur magasin. Quel est le magasin qui pèse le plus dans le game? Qui va détruire cette canette? Ta maman. On prend le Fnac, Fnac va réussir à détruire la canette. Oh, j'aurais touché celle-là. Est-ce que c'est Sephora? Non. Est-ce que c'est Navigo? Navigo, je crois que t'es chaud, toi. Oh, est-ce que c'est carte professionnelle bleu? Oh, elle est passée à ça. Okay. Aujourd'hui, l'américain super connu va essayer de casser une canette avec une carte. C'est complètement fou ce qui se passe. Regardez-le. Je suis le meilleur qu'il dit. Il va le faire. Suivez-le. Ah, j'en ai marre. C'est dur, je vous jure que c'est dur. Sac à merde. C'est vraiment, faut que je la touche en plein centre. C'est là qu'en plus, c'est là où elle est le plus sensible. Oui. Non. Tu vas rentrer, simple. Celle-là, elle est pour toi, Noco. BCAA. Je l'ai trop dit, celle-là elle est pour toi mon gars. Oh damn. Oh je suis choqué, sérieux. Wesh. Non les gars, quand j'ai dit je voulais faire cette vidéo, je pensais pas que ça allait faire ça, wesh. Oh je suis choqué. Par contre j'ai le seum, je peux plus la boire. Je pensais vraiment qu'elle allait bien s'ouvrir, mais en fait pas du tout. Attendez juste. SVP, dites-lui dans les commentaires qu'il est nul. On n'engage aucune boisson. Attendez, faut que j'aille montrer ça à mes soeurs. Les filles, vous savez aujourd'hui je fais la vidéo où je pose ma canette? Oui. Vous pensez que j'ai réussi ou pas la vérité? Oui. Oui. Moi oui. Elle est la gueule de la canette. Oui. Oh, oh my god. Et je vous jure que c'est pas une blague. Vois, attends, j'ai la vidéo tout et tout. Tourne là. Mais elle est explosée. Choqué de ouf. T'as fait comment? Mais j'ai tiré toute ma force. Explosé la gueule. T'es dangereux toi. Hein. C'est un truc de malade. T'as vu comment c'est stylé en vrai? Mais en plus les abonnés te l'avaient dit sur le live et tout. T'étais là genre moi t'y croyais pas trop quoi. Une carte là, moi je l'avais pas vue. C'est pour ça que j'ai manqué des cartes. Putain, elle arrivait jusqu'ici, wesh. Mon stand, il est là-bas. Non, mais honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez. Genre là, j'ai vraiment mal au coude, par contre. Genre, j'ai réussi avec une carte. Oui, ok, une canette, c'est pas si rigide que ça, mais pour la défoncer comme ça, wesh, les gars, je l'ai foutu à la poubelle, mais... Canette, quoi, genre... Qui aurait pensé avec... Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous êtes choqués ou pas, vous. Je sais pas. Pour moi, là, j'allais mettre comme titre, essayer de niquer une canette en 24 heures, les gars. Pour vous dire que pour moi, c'était limite impossible. Je me suis dit, je vais faire tout ce tournage pour rien, ça va pas marcher. Au final, ça a marché tellement bien. Donc, je vais essayer de trouver quelque chose d'autre à casser. Oh, j'ai une idée, les gars. Petite merde. Dites-moi ici, là, ok. Dites-moi ici, allez cocher, dites-moi si vous préférez les 24 heures challenge, ou alors quand j'essaie de détruire des trucs, quand j'essaie de construire des trucs. Dites-moi ce que vous préférez, dites-moi, c'est super important. En tout cas, moi, là, je prends du plaisir à le faire, ça me tue, c'est trop marrant. Parce que je pensais vraiment pas réussir. Je jure, quand vous pensez pas réussir quelque chose et que vous réussissez tellement facilement, j'imite pas beaucoup d'essais, les gars, vraiment, je vous jure. On passe à un niveau supérieur. En vrai, je sais pas, c'est pas en verre en cristal, ça aurait été en cristal, déjà de 1, ma mère en voyant cette vidéo m'aurait... Du coup non, c'est un verre de mauvaise qualité. Du coup ça veut dire que le verre est plus solide. Parce que quand du cristal, tu fais à peine ça, ça casse, ok. J'ai pris ça en scratch, j'ai demandé à personne. Donc voilà, bref, c'est parti. On va essayer d'éclater un verre avec une carte. Ok, la GoPro t'es prête? On va éclater ce verre mon gars. Bon, je suis désolé, du coup j'ai eu des petits problèmes de micro-cravate. De toute façon, vous inquiétez pas, je me fais chier au sous-titre. La preuve, Anthony, je veux que tu sous-titres tout de suite. Je connais la loi de l'attraction, quand je suis pas bien, je fais l'attraction, je garde le sourire même plus bas en tête, j'ai toujours ma passion. Faut croire en ses rêves, c'est comme ça que les choses arrivent, tu sais que dans son petit tirène, tu vas partir à la dérive. Je crois en moi, je crois en moi. Bref, voilà, merci. Je vais galérer. Ma tête. Tout de suite en train de faire un montage. Mais tu crois que t'es drôle là? Oh, arrête, c'est bon, tu fais un montage, c'est bon. Hey, oh, oh, oh. Ça va être très simple. Toi, je veux que tu te casses. Oui. Ok. Premier test, par contre, c'est là, je mets du premier coup, les gars, j'arrête tout, quoi. Au bout d'un moment, je serai trop fort. Oh, ma tête grosse. C'est bon. Oh, surtout si je tape comme ça, les gars, il va. Sac à merde. T'es mort. Ouais, bah pour l'instant, c'est moi qui est mort. Oui. Allez, ils croient, ils sont à l'armée, vous voyez ce qu'ils font? Dès là. Qu'est-ce qu'il y a là-bas, là? Regardez-les, wesh, ils font quoi? Mais vous jouez à quoi? Pourquoi vous allez en dessous? Il y a quoi là-bas? Ouais, j'ai peur d'avoir un truc. Bon. Il n'y a rien, juste bizarre, les gars. Ouh, ça t'a rasé, toi, t'as eu peur. Chante, t'as eu. Toi, dans ta tête, t'as fait ça, t'as fait.
Oui. Dites-moi ce que vous voulez que je casse en commentaire. Et promis, le commentaire le plus liké, je casserai ce truc-là si vous avez bien aimé cette vidéo. Mais parce qu'après, je vais arrêter parce que là, j'ai mal au bras, je vous jure, ça tue le bras. Imaginez-vous, chaque coup que je donne toute ma force, ok? Et tu peux demander à la meuf d'hier, j'en ai de la force. Un énorme beauf. Oh, il est passé à côté. Non, mais là, par contre, je lance vraiment trop doucement là. Là, vraiment, je lance en mode coucou. Ah! Wow! La carte Navigo! La carte Navigo vient de rendre l'âme! Oh! Oh! T'as eu tellement peur là! Oh! Oh! J'y suis presque là! Et non, petite merde! Coucou! Ouais, c'est nul. Tiens, qui. Ah oh ouais, trop de voisins. Qui veut voir mon cul? Voilà, vous l'avez vu. D'ailleurs, tous les voisins l'ont vu et je sais. Merci, je sais. Wesh! Lâche-moi! Lâche-moi! Malade lui. Je veux vous voir derrière vos écrans en train d'applaudir. Je veux vous voir assis chez vous en train d'applaudir. Devant votre ordinateur, devant votre téléphone. Applaudissez, allez. Celle-là, c'est la bonne. Laissez faire le professionnel. Et très important, ne reproduisez pas ça chez vous. Bah bon, tout ça en fait, c'est un cinéma, ça sert à rien. Tu manques de talent. Ouah, celle-là, c'est la remise. Ah, je me crois trop à la fête Fringe. Attention, qui va gagner le grand lot? Attention, ce jeune homme vient de dépenser plus de 200 euros pour gagner un nounours super moche. Applaudissez-le. Suffit les conneries maintenant. Arrête de me parler comme ça. Arrête de me regarder avec cette tête là. Ça. Bah oui, oui, le verre est là. Écoute, Anthony, faut que tu réfléchisses dans ma vie. Qu'est-ce que tu fous en face de moi là où va me casser? Dis-moi un peu. Tu te sens mal? Arrête, t'as touché le point sensible. Je vais te faire sale, je vais te faire du sale, toi, je t'ai dit. Toi, je sais pas si vous avez vu ralenti, mais ralenti, je crois qu'elle a frôlé le verre. Je crois même qu'elle est passée en dessous le verre. Non. Pas du tout, c'est pas possible ça. Les gars, je crois que je vais arrêter, j'en peux plus là. À la fin, il en restera qu'un. Qu'une. Tintintintintin, monte le drapeau. Allez, monte le drapeau. Tintintintin. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui? Donc nous avons que du bonheur qui a pratiquement aucun coin abîmé. Et la carte Sephora qui a quand même un gros cassage et les coins. Mais ça veut rien dire parce qu'elle peut se casser d'un coup. Ok, donc on verra qui restera. A few moments later. Oh, y'a un peu. Il m'en manque plus qu'une et c'est que du bonheur comme par hasard. Ouah, t'as entendu le bruit? T'as vu comment elle a sauté au-dessus de moi la carte? Écoute-moi. Bien toi. Ok, bah franchement que du bonheur, elle est toujours intacte les gars, c'est un truc de ouf. Elle a gagné Koh-Lanta les gars, et là voilà la grande gagnante. Envoie-moi un petit message en message privé et tu as gagné 1000 euros. Allô, c'est moi. Ton baron, on s'amuse trop. Putain, j'ai plus qu'une seule carte les gars là. Là, plus qu'une seule carte et tout peut s'arrêter maintenant là. La carte touche là, casse, c'est fini. La carte touche là, casse, c'est fini. La carte touche ici, c'est fini. La carte touche, bref, vous avez compris. Fouah, elle est partie. Oh non! Ça là, ça tombe là. Voilà, ma carte elle est là. Putain, fais chier. Voilà. Ah, c'est dégueulasse. Ah, ok, on a récupéré la petite carte. Let's go. Toi, t'es mort. Ah, la carte commence à prendre fond là. Elle est passée à ça de percer. Comme moi sur YouTube. Oh ah ah. Ouah. On arrête de rigoler. Ça suffit les conneries. Soldat, il est temps de réussir ta mission. Tu dois briser ce verre. Tant que tu ne l'auras pas brisé, ta mission ne sera pas réussie. Non ! Tu vas réussir. Ah ! Ah ! Oh non, la carte ! C'est la fin de Que du Bonheur. On va essayer de trouver une solution. Après plusieurs minutes, plusieurs temps, le joueur français ne veut pas arrêter ici. Il n'arrêtera jamais d'essayer. Il va réussir. Regardez-le tous ! Je voulais pas en arriver là. Sac à merde. Mais t'as cherché. Petite merde. Ça fait tellement de bien de voir le verre s'éclater. Oh là 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 là. Ta gueule toi. Tu me cherches? Fais pas le mec. Cool. Toi tu fais le mec. Ok la team, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. Si tu l'as bien aimé, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Et si jamais cette vidéo atteint 150 pouces bleus en moins de 24 heures, promis je ferai la partie 2 où j'essaye vraiment de casser ce verre avec une carte. Et n'oublie pas de me laisser un petit commentaire en me disant qu'est-ce que tu veux que je casse dans une prochaine vidéo ou une future vidéo. Voilà, bref, surtout n'oublie pas aussi, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Non, je te demande ça gentiment, abonne-toi, tu vois, genre vraiment, genre t'es pas obligé, mais abonne-toi, ça serait vraiment cool. Donc abonne-toi, appuie sur la cloche de notification. Voilà, je te force pas, hein, mais abonne-toi. Abonne-toi.
Bref, la team, c'est tout pour moi. Je vous fais plein de bisous et n'oubliez pas d'ici là, prenez soin de vous. Allez, ciao. Je voudrais voyager sur tous les continents, emmener mes parents à la plage grâce à mes finances. Je perds pas mon temps car j'ai besoin de mailles. Je veux beaucoup d'argent, je veux pas être sur la paille. Je voudrais voyager sur tous les continents, emmener mes parents à la plage grâce à mes finances. Je perds pas mon temps.